c'est trop cher, mon Ah bah génial, tu vas pouvoir aller chercher Justine du coup. Bah moi j'en profite, pour une fois je vais avoir le beau rôle, je vais faire la vidéo du début. Donc salut les copains, salut les copines, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien et je suis content de vous retrouver sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a Miwen, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve pas Justine. Mais t'as été voir dans la chambre? Oui. Déjà? Ouais, tu vas super vite. Du coup, si t'as déjà trouvé... t'as pas trouvé Justine, je veux dire, pour toi, elle savait qu'on faisait une vidéo, c'est quand même bizarre. Qu'on trouve pas... T'as été voir dans la chambre? T'as été voir dans la salle de bain aussi? Oui. Bah t'es, comment t'es rapide, c'est flash, t'es flash burn-on, toi. Je regarde partout. Oh. Attends, j'ai un appel. Ah bah, est-ce que tu peux répondre? Oui. Vas-y, réponds. Allô? Hein? Mais oui? Oh, ça a l'air d'être sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il a raccroché! Ah, et oui, bah, et c'est quoi du coup? Parce qu'il a raccroché, mais c'était qui? C'est pas ça, Aline. Ça fait la voix du. Une voix bizarre? Ouais. Oh, et il disait quoi? Il disait. Ha ha ha, c'est Justine. Ah ah ah, j'ai Justine. Oui. Comme ça, j'ai kidnappé Justine. Oui. Ah bon? Je crois. Et il a dit, allez au rendez-vous, sinon vous allez plus voir Justine. Alors, attends. Là, dans l'appel, il disait quoi? Il disait qu'on allait plus voir Justine, qu'il fallait aller à un rendez-vous. Mais quel rendez-vous? Je comprends pas très bien. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu peux m'en dire un peu plus? Parce que moi, je comprends pas très bien ce que tu veux dire. J'espère que ça vous fait bien rire. Quoi? Ça nous fait bien rire, mais de quoi? Je comprends pas du tout. Là, c'est un peu bizarre quand même comme truc. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc Justine, il a kidnappé. En gros, quelqu'un a kidnappé Justine et ouais, on sait pas où elle est. Mais je crois que moi, c'est Sirenhead. Ça fait une non, fois... c'est pas Sirenhead. C'est pas possible. C'est pas possible, je sais pas, c'est bizarre quand même. Oui. Bon, attendez, parce que là, attendez, les copains, je viens de recevoir un SMS d'un numéro que je connais pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Attends, c'est quoi ce... Alors, attendez, là, je suis en train de regarder le SMS là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ça dit, si vous voulez voir Justine, rendez-vous à ce point. Et il y a une carte avec un point. Bon, je vais pas vous le montrer parce que... bon, ce serait pas bien à regarder, mais oui. Bon. Donc, on doit se rendre à un rendez-vous. Bon, bah, on va s'habiller, on va essayer de voir où ça, mais c'est quand même ouais. Bizarre. Moi, je suis un peu inquiet quand même. Hein. Ouais. Allez, on y va alors. On se dit à tout, à plus tard, les copains. Si à on peut, on filme. On verra bien. Allez, on va essayer de retrouver Justine. Nous sommes partis à la recherche de Justine. On sait pas où elle est. On marche plus tout à l'heure avec Miwen. Ouais. Ouais, on fait. Ouais, on a eu un appel. Vous l'avez vu tout à l'heure. De toute façon, vous pouvez aller là, on se rend au point de rendez-vous. Tu penses qu'on va trouver quoi là-bas, Justine, Miwen? Je sais pas. J'espère qu'on. Justine. Bah, j'espère qu'on va avoir Justine, oui, c'est sûr. Ouais, un truc. Attends, parce que là il y a une voiture qui passe, est-ce que c'est quelqu'un? Non. Ah, c'est pas la personne qui nous a donné rendez-vous, sinon ils seraient arrêtés je pense. De toute façon on n'est pas ce qui arrivé au point de rendez-vous. C'est là-bas au fond, je sais pas si vous voyez. Moi je crois que c'est Sirenhead. Encore Sirenhead, tu penses que ouais. Et c'est lui qui aurait kidnappé Justine? Ouais non. Aussi Sirenhead, Justine court très vite, Sirenhead court plus vite que lui. Ouais. Ah d'accord. Bon bah alors on se rend là tout de suite. Quand on arrivera au point de rendez-vous, ouais, on vous dira si c'était Justine ou non et si elle était là-bas. Oui. Ça aurait été Sirène. Oui. Qu'il a annoncé Justine. Quoi? Ouais, si. Non, c'est pas possible. Bon, on coupe là, on va avancer, d'accord? Ouais. Et à tout de suite les copains. À tout de suite. On arrive au point de rendez-vous les copains là où nous rendez-vous. Il n'y a personne. Justine, t'es là? Non, il n'y a personne du tout. Ouais. Il n'y a rien. Regardez, il n'y a rien. Il y a une route. Une voiture qui passe de temps en temps, mais il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi on nous a donné rendez-vous ici. Bon, ce qui est bizarre avec Miwen, elle a remarqué qu'il y avait, je sais pas si vous voyez, il y avait des traces de pneus là, qui partent comme ça. Je sais pas si vous voyez là. Hop, 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 hop. On va aller suivre pour voir où ça nous emmène. Ouais.
C'est quand même bizarre, regardez les copains. On va suivre ces traces de pneus. Tu penses que c'est à voir avec Justine? Ouais. Ouais. Le Justine. Justine, elle aurait volé une voiture. Ouais. C'est quoi ça? Allez, on y va? Ouais. Allez, on avance. Alors les copains, on a suivi les traces, regardez là, elles vont par là, comme ça, et ça arrive là, donc il n'y a rien, par un petit bâtiment là, il n'y a rien, donc je ne pense pas que... Oui, bah, je ne pense pas, là on revient dans la ville, je ne pense pas que ça avait à voir avec Justine, les traces de pneus. Bon, c'est pas grave, on va avancer, hein. Justine, t'es quelque part? Ouais, Justine. Non, mais là, on rigole pas. Oui, non, mais c'est vrai, quoi. C'est quoi cette histoire encore? Tu t'inquiètes pas, toi, un petit peu? Si, je m'inquiète. Ouais, moi aussi, je m'inquiète, là, quand même. En plus, c'est ma soeur. Bah oui, c'est ta soeur, en plus. Il y a rien autour. Bon, allez, on retourne à la maison, voir si on n'a pas eu un nouvel appel, d'accord? Ouais. Allez, on rentre à la maison, là. Là, on sait pas ce qui se passe, on va... Ouais. Bah, c'est juste... Attendez, c'est Justine, là, qui... Bah, on t'a relâché? Bah non, j'étais chez mon copain. Quoi? Mais où? Hein? Je comprends rien. Non, me dis pas que c'était... Quoi? Oui. Mais c'est qui nous... C'est toi qui nous a appelé? Non, c'est maman. Elle était dans la confidence. Mais ouais, on s'est fait avoir par ta mère et ta sœur. Mais ouais. Non, mais Justine, ça va pas, on s'est inquiété, tout ça, et tout ça, faire un prank. Là, les copains, là, je pense que ça va pas le faire, là, C'était un prank de Justine, on s'est inquiété, oui c'était bien joué, mais nous on s'est inquiété beaucoup quand même. Toi tu vas être. Bon les copains, je sais pas quoi dire les copains, Justine, mais ouais, on dit quoi là, je sais pas. Oh, bon, on va leur dire au revoir aux copains. Au revoir, rappelez-vous, mettez des scènes. Et si, ouais, si vous avez apprécié le prank de Justine, parce que nous elle nous a fait très peur, si vous avez apprécié ce prank, bah mettez beaucoup de j'aime, on vous dit à la prochaine. On vous fait plein de... Bisous, plein de câlins. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut, salut les copains. Et câlin de Mewen. Et au revoir. Câlin à la carte noire. Allez, au revoir les copains.